Bonjour à tous, messieurs, dames, je suis accompagné de. Gus DX. Mamie Twink. Et Jean Kiketstar. On se retrouve aujourd'hui dans une villa et pour une vidéo assez spéciale où on va aller visiter un bâtiment désaffecté, abandonné et surtout hanté par des esprits nazis, messieurs, dames. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Oui. C'est Jean Tsouk qui a été actuellement dans les studios d'Eclipsia. Donc il a été pris pour un célébrité et puis maintenant on va mettre de la maison. Hein. Donc ça c'est donc l'ancien locaux des Eclipsia? Tout à fait. Ok. On peut entendre Taipouz crier des fois, hein, au viol, parce que Jean Tsouk faisait des trucs pas très catholiques dans cette maison. Rigolo, enculé. Bon, au final voilà, tout ça pour vous dire qu'on, pour la première fois, on va innover, on va vous faire une vidéo urbex. On va vous montrer un peu cet endroit qui est vraiment hanté et désaffecté. Franchement, c'est horrible. Juste de le voir d'ici, je... Il faut pas y aller. Vas-y, venez, on va passer par là. Ça, vous avez pas trop peur? Non. Non, honnêtement, vous avez pas trop peur, les gars? Non, franchement. Encore de nuit, je sais pas. Comment ça se fait que vous êtes en confiance, sachant qu'ici, c'est vraiment un truc hanté, quoi? Le truc, en fait, le plus dangereux, c'est les nazis nymphomanes, en fait. Les fantômes, ils peuvent te violer à tout moment. Du coup, c'est un petit peu vraiment dangereux. Putain, désolé, j'étais obligé de rigoler. Vas-y, c'est parti, par contre. Je vais sortir ma maglite. Alors. T'as pas peur d'y aller tout seul, là? C'est quoi, là, c'est quoi ce délire là? Qui croit pas, Starfou là? Laisse-le avec tout le temps, Starfou là! Alors, ça, si je ne m'abuse, c'était l'ancienne salle à manger ici, messieurs, dames. Qui était totalement... Chut, chut, chut. T'as entendu? J'ai entendu. C'est quoi le délire là? Je sais pas, je vais m'en renseigner qui est ça. Fais pas le con. Vas-y, viens, on s'arrache gros, ça fait flipper de ouf. Y a des trucs de ouf ici gros. Par contre ça, vous voulez venir au sous-sol les gars? Non, là je pense que c'était, je sais pas, une ancienne piole quoi. Par contre, t'as vu là-bas, il y a une espèce de truc, un trou en dessous là. On va aller voir c'est quoi qu'il y a. Ah, y'a rien, c'est là où il y avait les canalisations à l'ancienne quoi, à l'époque. Y'a tout qui a cramé en tout cas ici. Hein. Ça fait flipper, t'imagines, on trouve un cadavre. Un cadavre, tu sais que c'est possible hein. Ça te ferait flipper ça vraiment? Regarde la sorcière qui était dessinée là. C'est vraiment bien fait ça. Putain, c'était grand le sous-sol quand même. Hein. À fond. Le sous-sol est immense quoi. Oh, bon, je vais pas là-bas. Bon. Oh. Putain, c'est grand ici. Franchement, c'est abusé comme c'est grand quoi. Tout l'étage que tu vois, c'est pareil au sous-sol quoi. Et t'imagines ça, c'est abandonné. Franchement, c'est abusé. Tu serais tellement refait d'avoir une maison comme ça, toi, mon pote. Moi je te dis la vérité, je pense que le type il a dû se faire cambrioler une paire de fois et du coup il a abandonné le truc. Je pense vraiment que ça s'est passé comme ça. Je sais pas, ce que vous en pensez, mais je pense que c'est la raison la plus. Tu fais faillite, hein, c'est peut-être un appel. À quoi? Tu fais faillite, tu le revends. Tu sais que
Ça se trouve, il y a quelqu'un derrière moi, nanar. Je suis quand même le dernier de la file, là. Dans le petit escalier. Tu sais que je me sens pas bien, là. Je vais choper mon pied, là. Oh. Il a fait des dice. Rien. Par contre, un truc chelou, c'est que. En dessous, là-bas, j'avais vu plein des bombes de tag et je les ai pas vues. En bas. Ouais. On peut y retourner si tu veux. Si, on a vu cette sortie. Hein ? Ici. Eh, on n'a pas vu ici. T'es sûr ? On est passé en 2-2, c'est pour ça. Si, on a vu ici, non ? Ah ouais, on n'a pas vu. On peut pas aller en dessous ? Oh, il y a le petit cochon, vous. Petit peu manger ici. Tu viens de niquer ta meuf ici, toi ? Non, c'est chaud. Même la pire des putes que je respecte pas, je la baiserai pas ici, frère. C'est des beaux murs pour peindre. Par contre, en dessous, là, on peut pas y aller, je crois. Ça doit être un truc condamné en dessous de nous, là, non ? Si, on a pas, vous pouvez passer. Hein. Attends, vas-y, viens, on va essayer. Sinon, il va y avoir le bout de là. C'est pile en face, quoi. C'est là-bas, en face. On y allait. Ouais, c'est en dessous, là. Ouais, on les a pas vus. Non, on est descendu là-bas. Non, on est descendu là. Hein. On est descendu là. Ah, putain, tout ça pour dire que franchement, t'imagines, t'as ça, frère. Piscine de ouf, terrain de motocross, maison de ouf. Pouah. Tu serais refait. T'habites ici, t'es refait, gros. Terrain de pétanque. Le seul problème, c'est qu'il faut mettre du barbelé, frère, jusqu'à la mort pour pas qu'il y ait des fils de pute qui viennent te braquer, quoi. Je te dis, c'est quasi sûr, ça, si ça a été niqué, tout ça, c'est que le mec, il devait en avoir plein ses couilles de se faire braquer. Une maison comme ça, un peu vite fait à l'écart, t'es sûr, tu te fais braquer tout le temps, frère. Enfin bref, c'est bien, c'est tout. Biceps, le mot de la fin ? Aucune idée. Aucune idée. C'était super, merci pour la vidéo. Merci d'avoir regardé, laisse pouce bleu. Ouais, mets un like. Et Tuk-Tuk, si tu peux retweet, ça ferait plaisir à la famille. Wow. Et merci Banggood, hein, mon partenaire chinois, c'était vraiment le plus beau. J'arrête YouTube. J'arrête YouTube ? Ouais. J'arrête YouTube aussi. Et salut ! Cette villa était un club de tennis privé, avec de superbes terrains en terre battue, dans laquelle se trouvait également une piscine. Le grand bâtiment était un restaurant et au sous-sol se trouvaient les réserves. À l'étage y résidaient les gérants. La piscine en contrebas rendait ce lieu sublime. Le projet était sûrement trop ambitieux pour cet endroit retiré de la ville. L'activité s'amoindrit lentement, jusqu'au fameux jour où un braquage vint sceller le destin de ce merveilleux endroit.